Je suis directeur des contenus de Creative Mornings Montréal et il me fait un plaisir de vous accueillir ce matin pour la 23e édition de Creative Mornings. Merci. Ça nous emmène donc à notre thématique, l'encre. Et on a adopté une posture intéressante aujourd'hui. On s'est dit, l'encre, on peut évidemment aller vers le tatouage, puis on s'est dit, ça serait trop facile, on va juste faire un tatouage en temps réel et on va faire venir des gens qui travaillent avec l'encre comme médium, hein, comme élément de création. Certains d'entre vous ont peut-être fait des petits tatouages éphémères ce matin. Vous pouvez les faire à l'accueil là-bas, il nous en reste. C'est très intéressant, puis en préparant la conférence avec les boys les derniers jours, j'ai réalisé une chose, c'est que un tatouage, en général, il y a une notion un peu de permanence, en fait. On se fait un tatou pour la vie, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que le médium que vont utiliser les gens qui vont nous parler aujourd'hui, les gars de Garbage Beauty, utilisent dans le fond les poubelles comme médium d'expression, en fait. C'est un médium qui est éphémère, un peu comme un Creative Mornings, en fait. C'est quelque chose qui est à cheval entre votre salon puis un rebut, en fait. Ni poubelle que l'objet qui est sur le trottoir, en fait. C'est un état transitoire, la poubelle. Il n'y a pas de notion de permanence de la poubelle. T'sais, la poubelle, elle est là, puis là, le camion passe, puis là, c'est plus une poubelle, c'est juste comme une espèce d'amas informe de choses qui sont dans un dépotoir. Et donc, pour célébrer cette notion de l'éphémère, en fait, je vous demande de... Je me mélange dans mes mots, rien ne va plus. Je vous demande d'accueillir chaudement ces jeunes gens qui ne souhaitent pas être nommés de Garbage Beauty. Messieurs, où que vous soyez... Bonjour. Wow, c'est assez intense d'avoir genre du 360. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une relation que j'ai, que je vis depuis quand même assez longtemps. C'est pas une relation amoureuse, ni une relation amicale. Disons que c'est plus une relation utilitaire. Quelque chose de purement physique. Ça va paraître brut un peu, mais ça se passe un peu comme ça. Je l'utilise, elle me supporte. Je la réchauffe, elle me réconforte. C'est un échange qui est donnant-donnant, et puis j'ai l'impression... En tout cas, quand je la cherche, quand j'ai envie d'elle, je sais où aller. Elle est toujours postée au même endroit. Et puis, elle est toujours bonne pour faire ce qu'elle est bonne à faire. Avant d'avoir l'air d'un salaud, je vais vous la présenter. Elle est avec nous aujourd'hui. Je pense que les gens qui me connaissent vont se douter que je ne parle pas d'un humain. En fait, je parle de elle. Je vous la présente. Je l'ai toujours nommée la chaise noire. Pourquoi la chaise noire? Ben, c'est une chaise noire. Ça fait 26 ans qu'on se connaît. 26 ans quand même. À chaque fois que je dis ça, je réalise que ça fait aussi longtemps. Puis je la regarde, c'est pas si mal. Elle s'est pas trop abîmée. On s'est rencontrés à Calgary. Et puis, drôle de fait, depuis tout ce temps-là, moi je pensais qu'elle était d'origine scandinave. Puis j'ai appris en début de semaine que finalement elle était d'origine ontarienne. Fait que je dirais que ça a cassé un peu la magie. Elle a des courbes prononcées, avec un teint foncé, une peau rigide mais douce. Et en plus, elle a deux points en avant. Je pourrais quasiment dire que c'est des graines de beauté. Puis en plus, ils sont symétriques, un peu comme les miens. Je pense qu'on était fait pour être ensemble. Elle a des bras ouverts, des bras réconfortants, avec des jambes assez solides, assez fortes. Des jambes qui lui ont permis de se transporter un peu partout. Je vous explique, quand j'étais jeune, ma famille et moi, on a déménagé beaucoup.
On s'est retrouvés à Calgary, ensuite à Ottawa. Elle a même traversé l'Atlantique pour se retrouver en Allemagne, à Hambourg plus précisément. Ensuite, on est retourné au Canada, s'est retrouvé à Toronto. Ensuite, Québec. Puis quand il était le temps pour moi de quitter le nid familial, je l'ai choisi. Puis elle m'a accompagné. Pour moi, c'est un moyen d'avoir une sorte d'élément dans ma vie qui pourrait me rappeler mes racines. Puis bon, entre vous et moi, je pense que j'avais besoin d'une chaise aussi, là. Le temps a passé, puis ben, plus que le temps y passait, plus que j'ai commencé à la prendre pour acquis. D'autres chaises sont venues dans le portrait. Puis elle a commencé à être dans les jambes. Des fois, elle me tombait ses nerfs. Fait que quand elle me tombait ses nerfs, je la mettais dans un coin. Puis quand il y avait de la visite, ben, c'est là qu'elle sortait. Je disais, ben, pognée à chaise noire. Puis une fois la visite partie, ben, je la remettais dans le coin. Fait que je pense que à la toute fin, elle était juste bonne pour ramasser mon linge. Là, ça fait 2 ans que je suis convaincu qu'il faut qu'on se sépare. Mais après toutes ces années, j'ai encore la difficulté de... Le choix, il est encore déchirant. Puis comment que ça se fait qu'après autant de temps, après 26 ans, on s'attache autant à un objet, puis je me pose la question, pourquoi que c'est aussi difficile de juste la descendre de chez moi? Il y en a qui vont dire que c'est peut-être de la paresse ou bien de la procrastination, que je suis peut-être trop paresseux pour la descendre de chez nous. Mais moi, j'ai l'impression qu'après 26 ans, aujourd'hui, elle est plus vivante que jamais. Puis si... Tu sais, elle est vieille, mais la vieillesse, ça ne devrait pas être négatif. Si on dit qu'on est vieux, dans le mot « vieux », dans le mot « vieille », il y a le mot « vie ». Et puis, vie, ça, être vieux, ça voudrait tout simplement dire qu'on emmagasine de la vie. Et puis, dans son cas, ben, c'est un peu ce qu'elle a fait. Et elle s'est abîmée avec le temps, en étant toujours là pour moi. Alors, c'est aujourd'hui qu'on se quitte, Chachaise. Puis, moi, je vais l'oublier. Sauf que je vais m'assurer qu'elle reste marquée par cette dernière matinée ensemble. Et puis en espérant qu'elle ne passe pas le restant de sa vie toute seule. Alors, je pense que c'est le temps pour moi de la laisser aller. Non. Ça va? Non! OK, salut. Messieurs, dames, bonjour. J'imagine que certains d'entre vous auront su se reconnaître dans la petite histoire qu'Étienne vient de vous raconter. Cependant, j'ose espérer que vous aurez eu moins de difficultés que lui à ouvrir les doigts et puis à laisser partir l'objet que vous aviez tant chéri. On sait que c'est pas facile de toujours couper le cordon. On possède souvent des choses qui finissent elles-mêmes par un jour nous posséder. Puis curieusement, on a remarqué que cet attachement-là dure jusqu'à la dernière minute. Et par dernière minute, j'entends le moment où les gens jettent leurs trucs aux poubelles. Aujourd'hui, on ne vous parlera pas de calligraphie ou du processus créatif derrière. On veut plutôt s'attarder à des observations qui sont le fruit des 4 dernières années qu'on a passées en vélo dans la rue. À Montréal, excusez mon micro. Donc, le fruit d'observations, après avoir passé 4 années à les sillonner dans la rue. Des observations qui vous concernent... Mon Dieu, ça... Les réactions, en fait, que vous avez quand vous rencontrez nos objets, les comportements aussi face à eux. Ça se passe mieux, ouais. OK. Alors, ces observations nous ont incité à réfléchir à une notion. Ça, c'est la notion de laisser-aller. Autant la notion de laisser-aller par rapport au propriétaire du meuble qui, par le fait même qu'il laisse aller son meuble ou son objet, ben, nous procure un support immédiat. OK, c'est bon, on faut me coacher, guys. C'est mieux, ça? Ouais. On bougera pas trop. OK. Et puis, la notion de laisser aller également au sein de notre travail, c'est-à-dire, cette notion est pas mal une partie inhérente de notre travail.
Vous avez sans doute tous déjà entendu des phrases assez classiques, assez clichés, du genre « c'est en faisant les choses sans rien attendre en retour qu'on a les plus belles surprises ». Ben, dans notre cas, ça a quand même... Ben, ça n'a pas été faux, en fait, là. Donc, comme Romain disait, on va surtout vous parler... On va commencer par vous parler du laisser-aller du propriétaire, en fait. Le premier niveau, c'est comme le détachement, le niveau de détachement le plus commun qu'on a, en fait. C'est, en fait, c'est la personne qui se fout de son meuble, qui est tannée de le voir. C'est comme s'il prenait trop de place dans son salon. Ça fait longtemps qu'il traîne, puis il a juste hâte de le jeter. C'est souvent comme si c'était une relation qui s'était bâtie peut-être en une soirée dans le salon, à base de mélamine puis de contreplaqué. C'est souvent des objets qu'on dirait qui ont été conçus pour être simplement jetés. Après ça arrive la catégorie dont je vous parlais un peu plus tôt, les gens qui restent attachés à leur poubelle. Dans un premier temps, t'as les humains qui, eux autres, refusent de te laisser faire. Ce qui les dérange là-dedans, c'est vraiment leur attachement à un meuble donné, à un objet précis, parce qu'ils te regardent travailler un peu autour, puis... Ça les dérange pas jusqu'au moment où t'approches d'un meuble en particulier. Puis là, arrive à ce moment-là, il t'accoste avec une phrase du genre « Hey, tu vas pas écrire là-dessus aussi, là? » Là, dans la mesure où ce que t'essaies de lui expliquer ta démarche, ben, il te laisse pas vraiment le temps de parler. Cette personne-là va te lancer un genre de pitch de vente là, en te racontant que ce meuble-là, il a vraiment eu une existence particulière, qu'elle en était particulièrement attachée, qu'elle a vraiment aimé ce meuble-là, puis la raison pour laquelle elle souhaite... Mais qui trouve nouveau preneur. Dans la plupart des cas, on le sait très bien que si on fait une calligraphie ou qu'on utilise son meuble, ben, c'est comme si on va lui faire de la peine à cette personne-là. Fait qu'on décide tout simplement de laisser faire. T'sais, c'est un peu l'idée d'apprendre ou à laisser. Tu le prends, tu pars avec, ou tu le laisses ici et puis t'attends que quelqu'un d'autre en profite. Alors on s'en va et puis on cherche un autre support, tout simplement. Après ça, t'as la personne qui manque de laisser aller dans sa vie en général. On dirait qu'elle veut tout contrôler, en fait. Puis quand elle voit quatre gars arriver devant chez elle, qui se mettent à rôder autour de son meuble, ben cette personne-là, en général, elle commence un peu à stresser. Elle va soit nous dire de prendre le meuble, de s'en aller, ou de s'en aller tout simplement. Elle veut juste qu'on parte. C'est un peu comme si une personne qui laisse sa blonde ou son chum, puis qui voit déjà du monde commencer à rôder autour, tu sais. Puis après arrive un type d'individu qui, moi, sérieusement, c'est mon préféré. Déjà parce qu'il est super rare, il arrive vraiment pas souvent, mais c'est genre une petite boîte à surprise sur deux pattes. Cet individu-là, il te regarde travailler, puis il est super discret, genre il parle pas, puis à la limite, il veut pas vraiment que tu le vois, tu sais. Le truc, c'est que ben le regard a un poids, tu sais, le poids du regard, tu te sens observé. Je pourrais vous en parler en ce moment, d'ailleurs. Mais... Bref, ceci étant, le poids du regard fait en sorte que tu vas chercher son œil, et puis quand tu le vois, qu'il soit sur son balcon ou whatever, ben tu lui dis bonjour. Cette personne-là est comme vraiment discrète, fait qu'elle te fait juste un petit signe de tête puis elle regarde ailleurs. Toi, tu penses qu'elle s'en fout complètement, que ça l'intéresse pas du tout ce que tu fais, puis que tu vas t'en aller avec genre, disons, le sentiment de la mission accomplie, puis que tout va bien aller. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu venais de faire affaire avec un sale joueur de poker puis qui t'a bluffé, mais d'une force, là. Parce que le truc, c'est que si jamais t'as à revenir sur les lieux du crime, mettons, pour prendre une photo ou juste parce que je veux montrer à Olivier ce qui s'est passé sur le meuble en question... Cette personne-là a nettoyé le meuble. Ouais, vraiment. Mais quand je dis nettoyer le meuble, elle l'a nettoyé, il est plus propre qu'avant que j'arrive dessus, genre. Tu sais, c'est un peu particulier parce que toi, t'arrives sur place, c'était très bien qui a fait ça, hein? T'as vu le petit échange avec lui. Là, tu recherches un peu son regard pour avoir une explication. Puis elle va te servir exactement la même chose, un petit signe de tête, puis regarde ailleurs, tu sais. Au final, cette personne-là, elle veut vraiment éviter le conflit, puis visiblement, à ses yeux, on est comme une source de conflit, tu sais. C'est vraiment drôle, les histoires auxquelles on a la chance de vivre, en fait, en étant dans les rues de Montréal, tout simplement. Ça, c'est des histoires un peu cocasses, mais ça arrive qu'on croise des gens qui sont un petit peu plus, disons, tendus, tu sais. Par exemple, on va être en train de calligraphier, puis là, la personne va arriver, puis elle va faire comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? T'es tout en train de scraper le meuble, tu sais. Il y a personne qui va le prendre après ça. » Dans sa tête, la personne pense que, en fait, on est en train de détruire toutes les chances d'adoption du meuble. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'on est comme un peu la SPC, on en a fait adopter plein, tu sais. Fait que souvent, il faut qu'on s'arrête, qu'on lui explique un peu ce qu'on fait. Souvent, la personne va peut-être se dire comme, « Oh, encore un autre art project. » Elle va pas nécessairement adhérer à notre démarche, mais elle va finir par l'accepter. Puis après, elle va peut-être continuer son chemin. Des fois, t'as aussi des gens qui, disons, qui réagissent un petit peu plus fortement. C'est pas nécessairement quand on est là, mais c'est des fois après notre passage. T'as des gens qui vont... Des fois, ils vont tourner les poubelles ou tout simplement donner un coup de pied dedans pour les briser. C'est pas grave, celle-là, on s'en calligraphiait de toute façon. Fait grosso modo, ça fait le tour de ce qu'on a considéré comme la notion de laisser aller du support, ben, du meuble, du propriétaire.
Après ça, il arrive la notion de laisser aller dans notre travail. Une notion qui est vraiment centrale à notre travail. Puis, ben, ça se présente d'une façon super basique et super simple, c'est qu'on s'autorise jamais le droit de ramasser un morceau. En gros, là, c'est comme oublier ce qu'on vous a appris à l'école. Là. Nous, c'est pas parce qu'on écrit sur quelque chose que ça nous appartient, bien au contraire. Souvent, on écrit dessus, puis on n'a même pas le temps de finir qu'ils partent déjà avec. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est assez éloquent comme image. Puis Francis a fait un petit, a introduit un peu la notion tout à l'heure. Une poubelle, par définition, c'est éphémère, OK? Puis nous autres, notre démarche est assez aléatoire. Ben, c'est-à-dire pas forcément notre démarche, mais notre façon de procéder. C'est-à-dire on prend nos vélos, puis là, on se promène dans la rue. Puis au lieu de regarder devant nous, ben, on regarde sur les trottoirs pour voir si on peut pas trouver un objet à la hauteur de nos espérances. Puis quand on le trouve, ben, on descend des vélos, puis on s'y approche. Fait que si on prend le fait que la poubelle est assez éphémère, c'est-à-dire vouée à disparaître le soir même ou peut-être le lendemain matin, puis le fait qu'on se promène de façon un peu aléatoire dans les rues de Montréal, ben ces deux choses-là mis ensemble, ça crée un peu une rareté, en fait. Et possiblement, ça pourrait être cette rareté-là qui fait en sorte que la rencontre est un peu inattendue avec l'objet, bien que, comme vous le voyez, l'objet, lui, il attend juste ça d'être découvert, en fait. Des fois aussi, quand les gens croisent, ben cette rareté-là, je pense que ça donne place à certains coups de foudre, comme dans ce cas-ci, par exemple. On vous laisse apprécier. Wouhou! On a voulu l'inviter, mais on l'a jamais retrouvé. C'est sûr que ça nous fait plaisir de voir ça. Ce qui nous fait aussi plaisir, c'est quand les gens partagent la deuxième vie qu'ils ont donnée à l'objet, ce qu'ils ont fait avec. Comme dans ce cas-ci, par exemple, c'est devenu un îlot de cuisine. En plus, t'écris « What's cooking », je sais pas, peut-être que la ligne l'a même peut-être inspiré à faire son îlot de cuisine. Ou ici, ben, ça devient tout simplement un beau meuble pour supporter sa table tournante. Des fois, ça sert aussi juste de simple décoration, comme dans ce jardin. Ça, c'est le fun. Mais ce qui est encore plus drôle, là, c'est quand les gens, ils jettent quelque chose, puis qu'après notre passage, ils auraient aimé ça le récupérer. Fait que là, je vais vous lire l'exemple, ça s'est passé sur Facebook. Alors, on a Geneviève qui dit à David, « Yo David, c'est sur le coin de la ruelle à notre ancien appart. As-tu jeté tes bureaux de chambre? Ça ressemble à ça en ta! » David, 10 minutes plus tard, répond, « Si, c'est eux! My God, je leur veux! » Merci. Fait que vous comprendrez que pour nous, c'est très, très drôle d'avoir des choses comme ça, tu sais. Clairement, et très surprenant aussi. Un autre truc qui est pas mal cool, c'est quand les gens se mettent en scène avec les objets qu'ils trouvent dans la rue. Alors, ça peut se faire de façon assez spontanée. Nous, ce personnage-là, ben ce personnage-là, on l'a défini un peu comme le pirate doré. C'était quand même vraiment cool. 1er juillet, pour la plupart des gens ici, c'est le jour des déménagements ou la fête du Canada, n'est-ce pas? Pour nous, c'est officiellement ce qu'on a baptisé le « Garbage Beauty Day ». Ouais. Yes. C'est bon, ça. Voilà, on avait ce personnage-là. Nous, on est en train de prendre des photos, tout simplement. On est en train d'archiver notre truc. Ça fait, je sais pas, on avait passé une demi-heure sur le coin de la rue. Il y avait beaucoup de matériel. Il y avait genre 3 apparts. Puis là, notre camarade Étienne avait fait l'espèce de mousquet qu'il y a dans les mains, écrit dessus, je lui répondrai par la bouche de mes canons. Et puis arrive ce personnage-là qui définitivement fitait trop avec l'idée qu'on avait au départ. T'sais, sérieusement, il se fondait comme trop bien dans le décor, fait qu'on l'a comme interpellé, on lui a demandé s'il voulait poser, il nous a donné comme 8 poses, là. C'était génial. Puis un autre qui se fond vraiment bien dans le décor. Camouflage. Fait que c'est notre camarade Charles, un bonhomme vraiment cool, man, qu'on a rencontré à Miami. Puis c'était vraiment particulier parce que c'était juste l'autre bord de ce qu'on avait, ce qui s'appelle, je pense, Wynwood Art District, anglais de marbre. Puis finalement, ça c'est assez particulier parce que c'est une autre conception de la mise en scène. Les deux précédents, c'est nous-mêmes qui avons pris les photos, puis les gens, dans le premier cas, on lui a demandé, il a participé. Dans le deuxième cas, il s'est installé de façon assez naturelle. Tandis que là, on n'était pas sur place. Là. Ça a été fait, on n'a même pas pris de photo, puis ça ressurgit comme ça dans le ciel, genre à notre grande surprise. Et puis la photo était quand même cocasse. Puis celle-ci, moi, j'ai un attachement particulier pour ça, parce que c'est comme si maman a dit à son enfant, tu sais, regarde le ciel, elle a vraiment pris ça au pied de la lettre, puis je sais pas, il y a comme une réaction immédiate avec ce qu'on a fait.
Puis un fait ironique, genre, elle regarde le ciel et puis on a retrouvé la photo dans le ciel. Bref. Oh. Qu'est-ce qui pousse les gens à ramasser notre travail? Honnêtement, on ne sait pas vraiment. C'est peut-être la forme de la lettre, le message, voire même le meuble. Je pense que toutes les raisons sont bonnes, en fait. Quoi qu'il en soit, ben, le fait que vous récupérez nos meubles ou que vous les immortalisez, ben, ça crédibilise notre démarche. Puis cette crédibilité-là, là, au-delà de sauver la peau des meubles, ben, elle peut sauver notre peau dans certaines situations. Mise en scène, histoire vraie à 100%. Je suis avec Étienne, je sais pas ce qu'il y a actuellement, mais bref, on est ensemble, on se promène à Harlem. Ça fait genre 2-3 heures qu'on se promène à Harlem, mais sur ces 2-3 heures-là, ça fait 20 minutes qu'on sait qu'on est dans Harlem. Puis là... on a réagi un peu comme ça aussi. En fait, les gens, quand ils nous ont dit où ce qu'on était, ils nous prenaient comme pour des gens de cave. Puis bref, on a tous nos sacs avec nous. On quitte le Airbnb ce matin. Là, on s'en va chercher notre bus ce soir à genre 23 heures. Fait qu'on tue le temps en se promenant dans les rues. Puis là, on trouve un frigo, genre en dessous d'un échafaud, un spot vraiment weird. Là, on décide qu'on va calligraphier dessus. Puis là, je regarde en haut de mon épaule, puis je dis, Étienne, man, on a de la visite, bro. Hey, what are you doing, man? Ça, c'est un policier de Harlem qui me demande ce que je suis en train de faire. Je lui explique tout simplement que je fais de la calligraphie sur des poubelles. Man. Yeah, but it looks like graffiti to me. Vous comprendrez que le mot graffiti sorti de la bouche d'un policier à New York, genre, ça augmente un peu mon niveau de stress. Fait que là, where je are you from? Oh, damn. Fait que là, je lui explique que je viens de Montréal, puis que c'est bien chill, man. Je joue la carte du touriste, je rentre à la maison ce soir. They think they're leaving tonight. Je lui réponds en français tellement je suis mal à l'aise puis je sais pas quoi faire. Genre. Fait que là, je fouille dans mon sac en me disant je vais sûrement trouver de quoi pour lui expliquer. You got a website or something? Fait que je lui donne notre adresse web puis j'attends, tu sais. Puis étrangement, man, lui puis son collègue, ils ont de l'air d'aimer ça. It's not bad, hein? Yeah. It's pretty cool. Do you mind if I take a picture? C'est pas Olivier déguisé en policier, là. C'est vraiment un cas. Vous aurez compris que dans cette situation-là, ben, notre site web et nos plateformes sociales nous ont un peu sauvé la peau. Pis ça, c'est un peu grâce à vous, t'sais, parce que vous endossez et vous supportez notre travail. Pis ça, ça nous donne une forme de crédibilité qui permet de convaincre les plus sceptiques, comme ce policier d'Harlem. Puis au-delà de convaincre les plus sceptiques, ben, aussi cheesy que ça ait de l'air, ça nous permet de croire en ce qu'on fait. Je vous explique un peu le truc. Nous, il y a 4 ans, là, qu'on a starté un peu le délire. On prenait même pas de photos, ça se faisait un petit peu au petit bonheur la chance, là, si on prenait pas, on le savait pas trop. Puis au fur et à mesure qu'on produisait dans la rue, ben, il se passait une chose assez récurrente, c'est qu'on était dans les mêmes quartiers, fait que les gens venaient nous voir, puis étaient comme « Ah ouais, man, c'est toi qui as fait ça, trop cool », ils donnaient de l'amour et tout. Fait que là, on a commencé à se faire prendre au jeu, puis à vouloir continuer ça, jusqu'au fait où 2011 arrive genre Instagram, outil de promotion genre formidablement efficace pour notre délire. Puis là, grâce à Instagram, on se rend compte qu'il y a réellement des retours. Et puis, les gens trouvent notre démarche crédible. T'sais, les gens, ils ont l'air d'adhérer là-dedans. Puis, ils nous donnent vraiment plein d'amour. Là. T'sais, tu te fais prendre au jeu. Tu dis, ben, man, on va continuer ça. Mais la notion sur laquelle je vais insister actuellement, là, au risque d'avoir l'air genre d'un petit prof, là, whatever, c'est la notion de crédibilité. La crédibilité, on veut tous avoir l'air crédible devant les gens. Puis, on travaille pour ça. Mais il n'y a personne qui peut s'auto-proclamer crédible. Vous comprenez ça? Ça se construit de soi-même. Là. La crédibilité se construit en fonction de la justesse de tes actes et puis de tes façons de fonctionner. Je veux dire, il n'y a personne qui peut dire à son collègue, « Man, écoute-moi, je suis fucking crédible. » Tu sais, la personne va dire, « Combien t'es colon, man. » Tu comprends? C'est question que la personne, en fonction de ce que tu dis, de ce qu'elle connaît de toi, elle va se faire son idée. Puis c'est parfait comme ça, quoi. Cette crédibilité-là, là, au-delà de nous permettre de croire en ce qu'on fait, ben, ça nous donne de l'énergie puis de la force pour continuer parce que je peux vous dire que ça en prend des fois. Comme la fois où Romain avait décidé de traîner sa sécheuse en vélo. Ou cette fois-là où on avait eu la brillante idée de rentrer une voiture coupée en deux dans le cégep du Vieux-Montréal. Ça a pris une heure, ça. Ouais, par marche. Après ça, on avait Romain qui tente visiblement de renouer avec ses instincts primitifs. Là. Ah, la jungle urbaine, hein, quand elle nous tient. Vous avez vu le lien, là? Genre la jungle urbaine. Puis... OK. Bon, ceci étant, en fait, nous,
Malgré toutes ces implications, que ce soit en temps, en énergie, en pantalon souillé d'encre, en chaussures dégueulasses parce que tes marqueurs coulent dessus, en garnottes des genoux parce que ça fait genre un quart d'heure que tu fais une calligraphie dans une ruelle, les mains dégueu, tu sais, on joue dans les poubelles, là, c'est pas propre. Ben, on n'attendait pas, comment je pourrais vous dire ça, on s'attendait pas à ce que ça fonctionne puis à ce qui est comme un attrait puis un intérêt porté à ça. C'est comme si nous, 4 ans en arrière, là, on a planté une graine, puis on ne savait même pas si le terrain était fertile, si même la graine allait proposer une plante quelconque, si c'était une plante qui allait durer dans le temps, un arbre ou un éphémère, whatever. Mais une de nos plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est de se rendre compte, puis c'est vraiment cool de vous voir ici, sérieusement, je suis super down avec ça, mais c'est de se rendre compte que 4 ans après, la racine de cette plante s'est comme bien mise en place à Montréal, puis qu'année après année, ben plus été après été, on essaye de la solidifier. Mais qu'est-ce qui est vraiment, vraiment cool aussi, c'est de voir que ça bourgeonne dans 2-3 petits spots à travers les endroits qu'on a pu visiter. D'ailleurs, on prend le temps de saluer notre ami Vincent qui est à Paris en ce moment en train d'arroser. Oui, le jardinier parisien. Vous savez, la plupart du temps, quand les gens s'investissent corps et âme dans quelque chose, c'est souvent dans un objectif un peu mercantile ou du moins d'en retirer profit. Mais l'amour ne s'achète pas. Non, non, non. À la limite, ça se partage, ça se donne, ça s'échange, mais tu peux pas l'acheter. Nous, avec notre travail, ben, on vous donne de l'amour. Ça, c'est de l'amour que, en prenant des photos, en likant nos images, ben, vous nous rendez fois 1000. Pour conclure, là, si je devrais essayer de résumer ce qu'on essaie de faire depuis les 4 dernières années dans les rues de Montréal, je pense que c'est tout simplement d'immortaliser l'éphémérité. Puis au final. Puis au final, ben, je pense que d'être ici, devant vous aujourd'hui, ça fait peut-être partie des effets mérités. Oh! Merci. Boum! Thank you.